Vous allez découvrir les avantages et les inconvénients de la friteuse sans une Philips Wi-Fi série 5000. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder aux prochaines vidéos, car bientôt certaines seront uniquement réservées aux abonnés de la chaîne. Il s'agit d'un air fryer familial de 4 litres 1 qui est adapté aux besoins de 3 personnes. Ce modèle comporte une cuve et un panier de cuisson. Ces éléments sont anti-adhésifs, amovibles et compatibles lave-vaisselle. Philips série 5000 a une puissance de 1400 watts. Cet appareil cuit de 80 à 200 degrés grâce à la technologie de cuisson Rapid Air. Cet équipement dispose de 7 menus de cuisson et de la fonction maintien au chaud. Pour vérifier le prix de la friteuse sans huile Philips Wi-Fi série 5000, cliquez sur le lien sous la vidéo. Philips HD 925580 série 5000 est une friteuse sans huile connectée à Internet en Wi-Fi. L'utilisateur peut suivre la progression de la cuisson sur son smartphone. La marque Philips propose l'application NutriU. Cette application propose plusieurs centaines de recettes originales et inspirantes. Cette friteuse à air pèse 4,5 kg et mesure 29,5 cm de haut, 26,4 cm de profondeur et 36 cm en largeur. Philips HD 925580 est fabriqué en Chine et il est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre. Le tableau détaillé des caractéristiques techniques concernant l'avis sur la friteuse sans huile Philips Wi-Fi série 5000 est disponible gratuitement sur meilleurmulticuiseur.com. Quels sont les modes de cuisson de la friteuse sans huile Philips Wi-Fi série 5000? Le fabricant a intégré des pré-réglages spécifiques pour chacun des 7 menus de cuisson. Le temps et la température sont prédéfinis. Cela simplifie l'utilisation de l'appareil. L'utilisateur sélectionne le mode pré-réglé de son choix et lance la cuisson. Cependant, il est possible d'exploiter davantage le potentiel de cette friteuse sans huile en recourant au mode de cuisson manuel. Dans ce cas, l'utilisateur indique directement la durée et la température de son choix. Puis l'air fryer gère la cuisson de A à Z. Les 7 menus préconfigurés de Philips série 5000 sont les suivants. Surgelé, frites, poulet, poisson, gâteau, viande et légumes. Quelle est la consommation électrique de la friteuse à air Philips HD 925580? Un foyer qui se servirait de Philips série 5000 durant 20 minutes par jour pendant un mois consommerait 14 kW. Une telle fréquence d'utilisation représenterait alors un coût mensuel en électricité de 3,78 €. Vous trouverez d'ailleurs un lien sous la vidéo vers notre calculateur gratuit pour estimer la consommation en électricité des friteuses sans huile. Quels sont les avantages et inconvénients de l'air fryer Philips série 5000? Ses inconvénients: pas de rappel sonore pour remuer les aliments à mi-cuisson. Rapport puissance-capacité un peu limité. Ses avantages: capacité adaptée pour une famille peu nombreuse jusqu'à 3 personnes. Panier et cuve anti-adhésif, amovible et compatible lave-vaisselle. Technologie de cuisson Rapid Air sur 360 degrés. 7 menus de cuisson automatiques. Mode de cuisson manuel pour une liberté totale. Panneau de commande complet et facile à utiliser. Connecté à Internet via la technologie Wi-Fi. Application NutriU avec des centaines de recettes. Design sobre et sympa. Format plutôt compact. Consommation réduite en électricité. Expérience de la marque Philips. Prix intéressant, mais pas à la portée de toutes les bourses. Le lien vers la friteuse sans huile Philips série 5000 se trouve dans la description sous la vidéo. Avis du guide d'achat: devriez-vous acheter la friteuse sans huile Wi-Fi série 5000 de Philips? La renommée de la marque inspire confiance. Le fait qu'il s'agisse d'un air fryer Wi-Fi et que l'utilisateur puisse suivre l'avancée de la cuisson depuis son smartphone sont un plus. L'application NutriU propose plusieurs centaines de recettes pour préparer toutes sortes de plats. Ce modèle est à la fois plus rapide et plus économique qu'un four ordinaire. Le premier test de Philips HD 925580 a consisté à cuire 500 g de frites maison. Notre choix s'est porté sur un mode de cuisson manuel avec une température à 200 degrés. Nous avons retourné les frites maison à 3 reprises et leur temps de cuisson n'a pas excédé 24 minutes. Lors du deuxième essai, l'air fryer Philips série 5000 a cuit 6 pilons de poulet à 200 degrés en 20 minutes. Nous avons retourné les pilons à mi-cuisson. Bilan, les tests et essais de cette friteuse à air se sont avérés concluants. Les caractéristiques techniques de ce dispositif de cuisson et ses performances globales valident nos principaux critères de sélection. L'avis du guide d'achat à meilleurmulticuiseur.com recommande la friteuse sans huile Wi-Fi série 5000 de la marque Philips aux familles en quête d'un air fryer connecté, polyvalent et facile à utiliser. Retrouvez toutes les infos concernant l'avis sur la friteuse sans huile Philips série 5000 et découvrez son prix actuel grâce au lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez apprécié la vidéo intitulée « Avis sur la friteuse sans huile Philips Wi-Fi série 5000 HD 925580 ». Un petit conseil, abonnez-vous tout de suite pour voir les prochaines vidéos du guide d'achat. En effet, seuls les abonnés de la chaîne pourront les visionner. Écrivez-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir une vidéo sur une friteuse sans huile en particulier. Merci et à très bientôt.